L'événement qui va se dérouler ici, il est extraordinaire. Il est magnifique. La leçon et l'enseignement de cet événement, les personnes égarées qui insultent les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui insultent Abu Bakr et Omar, à la fin de ce récit, vous allez changer d'avis. On se situe au pied de la mosquée Quba. Là au sol, ce que vous apercevez, le cercle, c'est la localisation du puits Arus. À l'époque, il y avait un enclos et une porte. À 45 minutes à pied d'ici, à la mosquée Masjid Nabawi, la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Moussa, purifié, bien habillé, il va sortir de chez lui le cœur plein de joie pour passer la journée avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il va se rendre à la mosquée Masjid Nabawi et demander où est l'envoyé d'Allah. Ils vont lui dire, il est du côté de la mosquée Quba. Et pour rappel, la mosquée Quba, c'est la mosquée qui est juste derrière. Vous voyez, la mosquée blanche juste derrière, c'est la mosquée Quba, la première mosquée d'Islam. Il va se rendre ici et demander où est l'envoyé d'Allah. Ils vont lui dire qu'il est du côté du puits, ici. Il va se diriger ici. Et à l'époque, la porte, elle était encadrée en bois avec des feuilles de palmier. Elle sera fermée, il va l'ouvrir et il va apercevoir l'envoyé d'Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui va être assis au bord du puits, le visage pensif. Et il ne voudra pas le déranger. Abu Moussa, il ne voudra pas le déranger. Et il va se mettre comme portier pour personne ne rentre. Il va s'imaginer que l'envoyé d'Allah, il sera en pleine révélation avec l'ange Jibril, alayhi salam. Il va se dire, il doit être en train d'avoir une révélation. Il doit être en train de penser à quelque chose d'important et de ne pas le déranger. Il va faire le portier. La porte, elle va se mettre à bouger. Pendant qu'il surveillait la porte, elle va bouger. Il va dire, c'est qui ? Abu Bakr, il va dire, c'est moi. Il va lui dire, attends ici, je vais demander à l'envoyé d'Allah si tu peux rentrer. Abu Moussa, il va se diriger vers l'envoyé d'Allah qui est assis au bord du puits. Il va lui dire, Abu Bakr est là, est-ce que je peux le laisser rentrer? Et là, il va avoir un moment. L'envoyé d'Allah, il va lui dire, annonce-lui la bonne nouvelle du paradis et laisse-le rentrer. Abu Moussa, il va ouvrir la porte à Abu Bakr, le faire rentrer et lui annoncer la nouvelle du paradis. Il va sourire et il va venir s'asseoir à la droite du prophète sallallahu alayhi wa sallam au bord du puits. Puis Abu Moussa, il va retourner à la porte surveillée. Et la porte, elle va se remettre à bouger. Lui, il va penser que c'est son frère. Il voudrait bien que c'est son frère qui vienne, Abu Moussa. Et il va dire, c'est qui? Et derrière la porte, c'était Omar. Il va dire, c'est moi. Il va dire, attends, je vais demander la permission à l'envoyé d'Allah si tu peux rentrer. Abu Moussa va demander la permission à l'envoyé d'Allah. Il va lui dire, laisse-le entrer et annonce-lui la nouvelle du paradis. Abu Moussa, il va ouvrir la porte à Omar Ibn Khattab, il va lui dire « Bonne nouvelle, l'entrée au paradis, tu peux rentrer. » Et il va rentrer s'asseoir à la gauche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis Abu Moussa, il va retourner à la porte surveiller et la porte, elle va se remettre à bouger. Et il va dire « C'est qui ?» Et Uthman Ibn Affan, il va dire « C'est moi. » Il va lui dire « Attends, je vais demander la permission à l'envoyé d'Allah si tu peux rentrer. » Abu Moussa, il va se diriger vers l'envoyé d'Allah et dire « Uthman est devant la porte, est-ce que je le laisse rentrer ? » Il va lui dire, annonce-lui la bonne nouvelle du paradis et une épreuve qui sera affligée. Il va aller ouvrir la porte à Uthman ibn Affan, lui annoncer la rentrée au paradis et l'épreuve. Et il va sourire. Et là, il n'y aura plus de place au bord du puits. Et Uthman ibn Affan, il va s'asseoir en face de l'envoyé d'Allah. Timidement, il va se mettre accroupi. Et ce qu'il faut comprendre à ça, c'est que Allah le Tout-Puissant, il vient de donner l'ordre. Comment la succession, elle va s'établir après l'envoyé d'Allah. Le premier, c'est Abu Bakr al-Siddiq qui est rentré, qui s'est assis à sa droite. Le deuxième, c'est Omar ibn Khattab qui s'est assis à la gauche. Et en face, Uthman ibn Affan, puis Ali ibn Abi Talib. L'envoyé d'Allah, à cette époque-là, il y avait une bague à sa main qui lui servait de sceau, de tampon. Elle va être transmise à Abu Bakr al-Siddiq à la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. À la mort d'Abu Bakr, elle va être transmise à Omar ibn Khattab. À la mort d'Omar ibn Khattab, elle va être transmise à Uthman ibn Affan. Et pendant son califat, il va revenir ici et il va repenser à l'événement qui s'était passé, à qu'est-ce que l'envoyé d'Allah y avait prédit. Et il savait qu'il allait avoir une épreuve. Et Uthman ibn Affan, pendant qu'il lisait le Coran, il a été assassiné. Ils ont pris sa tête et l'ont mis dans un plateau, les hypocrites. C'est ça l'épreuve qui lui a été infligée. Et pendant ce califat, la bague, il l'a perdue dans ce puits. Il a ramené des dizaines de chameaux pour vider l'eau de puits et ils ne l'ont pas retrouvée. Et là, les habitants de Médine, ils ont interprété comme quoi c'était
la fin, il fallait plus transmettre cette bague. Et après, le quatrième calife, c'est Ali ibn Abi Talib.